Si. Ça commence par un discours. Il y a un principe, un discours de trop pour rien. Il y a un principe qui dit que la femme de César ne peut pas être soupçonnée, ne peut pas faire l'objet d'aucun soupçon. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la présidence de la République... Ça signifie quoi, concrètement? J'en viens. Là, au niveau de la présidence de la République, on est en train de déplorer la KBG financière. Le cabinet du président de la République s'était évertué dans des passations de marché de gré à gré. Et le sujet qui est en train, qui a eu la goutte d'eau, qui a eu à déborder, faire déborder la vase, c'est l'affaire 15 millions de dollars, où le directeur de cabinet est en train de traquer les inspecteurs généraux de finances. Allez-y, comprendre. Vous avez souligné que le chef de l'État a autorisé. Raison pour laquelle je suis en train de dire, je crains que ce soit un vœu pieux. Je viens de dire... Sincèrement, c'est un bon discours. Mmh. J'ai été séduit, personnellement, parce qu'en tant qu'humain, le président de la République a fait un bon discours. Mais je crains que ce soit des vœux pieux, que ce soit un discours du fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Et cette leçon ne vaut que le fromage, sincèrement. On est en train de fustiger la façon de gérer du cabinet du président de la République et en indexant son bras droit, qui est censé être la femme du président de la République. En fait, j'aimerais dire le directeur du cabinet, d'où je venais de dire que la femme de César doit être à l'abri de tout soupçon. Et on est en train de soupçonner la KBJ au sommet de l'État. Et le DIRCAP est en train de mettre ombrage à l'inspection générale des finances. Allez-y comprendre quelque chose. D'où, de par la pratique, liant la parole ou le discours à la pratique, sincèrement, d'entrée des jeux. Mais il n'est pas pour Katoum, mais pour qu'il parle de l'opposition patriotique. Vous avez posé ce problème. Oui. Un peu d'élégance, maître Passimba. Allez-y, tout à l'heure, vous m'avez arrêté. Vous êtes protégé. Mais légalement, je vous ai arrêté légalement. D'accord. Alors, je devais apporter des correctifs. Je vous laisse parler. Maître Jean-François Dulé, allez-y. Merci. Raison pour laquelle, à l'entame de cette question, puisque vous l'aviez un tout petit peu effleuré, j'avais dit que le président de la République m'a séduit. Mais vous avez vu la conclusion, comment j'ai eu à chuter, puisqu'il y a une gabégie financière entretenue dans son cabinet. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Mais je viens vous répondre que je ramasse d'abord mon co-débatteur, rapidement, maître Passim Bayo. Il y va du coq à l'âne sur ce plateau. Je ne le reconnais pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que maître Passim Bayo, vous verrez dans ses propos, il dit que cette histoire de la gabégie financière qu'on est en train d'accuser, pour laquelle on est en train d'accuser, de mettre en cause le directeur du cabinet, le bras droit du président de la République, cela vient de Fayoulou. Mais il chute par Neni Mwilania. Qu'est-ce que Fayoulou ou Lamouka a à voir avec Mwilania? Ce sont tous des acteurs politiques. Non, vous